Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du film Parfaite de Bastien Boitez et Eric Paul et nous allons interviewer les deux comédiens principaux, Dorian et Olivier. Allons-y, c'est parti! Donc dans le film Parfaite, il y a beaucoup de très bons acteurs, Jules Citruc, Joël Hilary, Clara Joly, Laure Weiss, Sébastien Etienne, Serge Castaldi, Yolande Sellam et Olivier Aymon et Dorian Ken que je reçois aujourd'hui. Alors Olivier, Dorian, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes dans le film Parfaite, est-ce que vous pouvez me présenter le film, expliquer un petit peu l'histoire? À qui ça s'adresse? Comme vous voulez, c'est celui qui répond. Je te laisse commencer. Voilà. Honneur aux anciens. Olivier, par exemple. Comment est-ce que je pourrais dire? C'est l'histoire magique d'une voiture qui, par quelque chose qui vient du ciel, devient une voiture qui fait des vœux, qui répond à des vœux, une voiture extraordinaire, comme ça. Qui est mis dans les mains de mon camarade qui ne sait pas l'histoire et à qui moi, le vendeur de la voiture, ce soit un peu un gros balourd comme ça, assez poétique et façon un peu Dino Ventura, je lui explique ce qui s'est passé avec cette voiture. Enfin tout ça c'est un peu un conte de fées. C'est une histoire de voiture. Le personnage principal, c'est la voiture. Le personnage principal, c'est moi. D'accord. Voilà. Et donc, alors, quel est ton rôle dans le film? Eh bien, moi, je fais le rôle de la voiture. Non. D'accord. Je ne fais pas le rôle de la voiture. Moi, je fais le rôle du loueur de voiture. Le loueur de voiture. D'accord. Et donc, cette voiture m'est tombée dans les mains. Elle est venue dans ma casse où il y a des vieilles voitures et tout. Je les retape. Et la voiture, donc, est passée par mes mains. Et donc... D'accord. Je vais la tu veux l'acheter ou la... Ah non, moi je l'achète. Hein. Donc tu l'achètes. Je vais la vendre à Dorian et qui évidemment s'aperçoit qu'elle est magique, qui va me poser un tas de questions. D'accord. Donc ton rôle, Dorian, c'est celui qui va acquérir la voiture, voilà, et va se passer des choses avec. C'est le rôle. Moi j'ai le rôle d'Eric, le personnage principal. Voilà. Absolument, c'est le personnage. Il n'y a que des personnages principaux. C'est ça. Il y a aussi Joël Hilary qui est le personnage principal, qui fait la belle-mère d'Eric. D'accord. Et qui est aussi Jules Citruc, qui est particulièrement principal. D'accord. Qui fait celui, en fait, à qui et par qui la magie est arrivée. Un jour, il a eu un accident avec la voiture, il a ratatiné une espèce de petit personnage, il l'a mis dans le coffre, il voulait l'emmener à l'hôpital. Quand il a ouvert le coffre, il n'y était plus. Et la voiture était devenue magique. D'accord. Voilà. Bon. Et donc toi, tu achètes cette voiture. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bon, en gros, il m'arrive quelques péripéties avec la voiture. Ils me font rire d'ailleurs. Ouais. Lui, il se moque de moi en quelque sorte quand je viens le voir pour lui demander des explications en quelque sorte sur pourquoi, le comment, il y a des choses qui apparaissent dans le coffre, quoi. D'accord. Mais voilà, on va pas en dire parce que sinon les gens vont plus aller voir le film. Il faut pas trop dévoiler, il faut juste un petit peu résumer. Non, il faut quand même dire qui est-ce qui réalise ce film déjà. Ils sont deux, il y a un grand et un petit. J'aurais tendance à dire Laurel et Hardy, mais je sais pas trop. Eric Paul. Ouais, je crois que c'est ça. Le mec très autoritaire. Oui. Et Bastien Boitez, qui est d'origine. Bastien Boitez et Eric Paul sont les deux réalisateurs. D'accord. Vous avez déjà fait une journée de tournage, je crois? Non, pas moi. Non. Non, moi j'étais pas là. On avait tourné, mais il pleuvait. Il pleuvait. D'accord. Donc on tourne à la rentrée. D'accord. Voilà. Alors. Autre question, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet et donc pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans ce film et dans ce projet? Moi, c'est pour le cachet. Olivier. Pour le cachet, oui, d'accord. Uniquement pour le cachet. Moi, je dirais plus que c'est le film qui est rentré en moi, en fait.
Je dirais pas que je suis rentré dans le film, c'est le film qui est rentré en moi. Et puis le scénario m'a tout de suite plu. Ouais. Et puis en même temps, j'avais pas trop le choix. Donc je me suis dit ouais, c'est parfait. Et puis personnage est... Voilà. Parfaite, oui. Mais bon, ça serait pas très français de dire ouais, c'est. Non, je sais bien. Mais bon, on peut le placer quand même. Donc voilà, je me suis dit, comme je connaissais en fait le scénariste, et m'a proposé justement. Ah, c'est vrai que tu connaissais le scénariste. Oui. Fabrice d'ailleurs qui donc est les Fabrice scénaristes hein, voilà, ouais. Qui sont Fabrice Housseau et Doc Person. Voilà, c'est non, ça. Non mais alors faut que j'arrête de déconner un peu parce que c'est un très beau scénario. Très très beau scénario. Vraiment, ça c'est vrai que c'est un très beau scénario. Tous les personnages sont ton personnage est super, mon personnage est génial. D'accord. C'est la première fois en plus que je fais ce genre de. Parce que moi j'ai toujours joué des avocats, des médecins, des tueurs, Non, c'est là, ça change donc. Non, c'est un personnage, autre... c'est un personnage un peu une espèce de prolo magique. C'est presque un comme un Père Noël. Enfin, c'est un type complètement très chaleureux, très. D'accord. Il est entouré d'animaux empaillés. Enfin, il y a tout. Quand tu dis Père Noël, c'est lui qui amène le cadeau, la voiture entre guillemets. Oui, c'est une sorte de cadeau. Quoi. Oui, absolument. Non, mais c'est très très bien. En plus, c'est très bien écrit. D'accord. Non, mais là, je déconne pas. C'est vrai. C'est très très bien écrit. C'est vraiment. C'est des très beaux personnages. C'est vraiment des personnages façon années 80, Audiard et tous ces gens-là. Quoi. D'accord. Donc des dialogues très bien construits. Des dialogues béton, hyper bien écrits, des situations très sympas, des personnages très forts. Non, c'est vachement. Une femme parfaite. Une femme parfaite. Une voiture parfaite. Hilary, qui est une comédienne magnifique. Clara aussi. Ma belle-mère, Joëlle Hilary. Ouais. Voilà. C'est une histoire de famille, quoi. C'est... Ouais, voilà. C'est une histoire de famille, ouais. Mais c'est avant tout. On peut dire que c'est drôle, quand même. Hein. Ouais, c'est. Oui, alors c'est quel drôle, est le genre de film ? Dramatique, science-fiction, comédie, un peu fantastique ? Quel est le. Dans quel genre ça peut se situer ? Alors là, je dirais. Fantastico, comédio. C'est une comédie fantastique, un peu. Ouais. Comédie fantastique. Ouais. Non, d'accord, c'est un court-métrage, on est d'accord. C'est un court-métrage. D'accord. Ouais, comédie, c'est un court-métrage. Comédie fantastique. Très bien, très bien. Il durera une vingtaine de minutes, je pense. Ouais. Bon. Donc maintenant, je vais m'intéresser un peu plus à chacun d'entre vous personnellement. Vas-y, mon pote. Donc on va commencer par toi, Olivier. Donc acteur depuis pas mal de temps, depuis les années 80. Je plaisante, depuis les années 70. Depuis les années 70, donc. J'ai 64 ans. Je suis comédien depuis 46 ans. D'accord, voilà. Donc depuis les années 70. Et puis, donc, pas mal de films connus, Nikita, Luc Besson, Grosse Fatigue, de Michel Blanc. Oui, mais j'ai jamais fait des rôles énormes au cinéma. Je suis surtout un acteur qui fait énormément de théâtre. Beaucoup de théâtre. Beaucoup de théâtre. Ok. Et alors une petite particularité dans ton parcours. Je suis de la famille de Mocky, oui. Voilà. Le grand malade du cinéma français. Un comédien assez récurrent dans le monde de Jean-Pierre Mocky. Voilà. Je passe dans les films de Jean-Pierre Mocky, c'est-à-dire je ne m'y attarde pas. Enfin, c'est lui qui ne m'y attarde pas plus exactement. Mais, Mais j'en ai fait une dizaine. J'espère de faire le prochain. C'est un mec absolument magnifique. C'est un des grands du cinéma français. Et voilà, quoi. Il faut en profiter parce que le temps passe et l'une est éternelle. T'avais fait Le Renard Jaune de Mocky ? Non, j'ai pas fait Le Renard Jaune. Le dernier que j'ai fait, c'était Calomnie. C'est celui qui est passé. Calomnie, J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait 11. J'ai fait Le Mentor, c'est vrai que je... Puis c'est un ami, c'est un mec merveilleux, quoi, complètement timbré. C'est un fou. Fou total, quoi. Mais moi aussi, donc on n'a pas la même folie. Mais la sienne est plus. Mais c'est complémentaire. Ouais. D'accord. Ouais. Bon. Ben, très bien, très bien, très bien. Alors Dorian, donc tu as fait un petit truc avec Norman. Norman qui nous fait ses petites vidéos sur oui, Internet. C'est ça. C'est ça. C'était. Sponsorisé par Crunch, c'était Super Social Movie. D'accord. Mais tu as aussi un parcours sympa, donc depuis
3-4 ans maintenant, des séries web, des séries télé, des petits courts-métrages, oui, sympas, et puis des passages dans des séries télé assez connues, Nos chers voisins, Les Lascars, hein, c'est vachement bien ça. Ouais, c'était assez sympa, j'ai pu rencontrer pas mal d'acteurs qu'on a su s'apprécier mutuellement et qui m'ont recontacté pour d'autres projets. Donc voilà, on va dire que dans mon parcours jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance. On va dire que j'ai été assez gâté. D'accord. Ouais, pas d'énormes rôles, gros rôles, mais voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes et la plupart du temps, on est resté en contact et on a été amené à travailler ensemble. Quoi. Oui. C'est le... Je vois la caméra. Puis d'accord, je dois dire aussi que dans mes débuts, je dois remercier aussi Eric Paul parce que c'est lui, Eric Paul, et ben, c'est un des deux réalisateurs. C'est avec lui que vous allez travailler. Toujours leur nom. Un grand brun, tu sais. En même temps, il est tellement emmerdant sur le plateau que tu te dis, ouais, le chieur, tu vois. Ah, oui, tu dis pas de nom. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que je dois le remercier parce que c'est lui qui m'a, on va dire, m'a donné ma chance en quelque sorte. Parce que dans mes débuts, bon, je suis un peu costaud, donc j'étais souvent catalogué dans certains types ou certains rôles à jouer. En France, et oui, on met beaucoup les gens dans les cases. C'est lui qui m'a appelé pour me proposer une petite web-série humoristique. Je dis une, du moins on en a fait plusieurs et qui était assez sympa. Entre amis? Entre amis, les ozos. Les ozos, il y a eu aussi Rupture. Ouais. Mais je pense qu'on a joué ensemble, non? Il me semble, ouais. Dans les ozos, hein? Non, dans Entre amis. Ah oui, Entre amis, oui, c'est ça. J'ai pas fait les ozos, moi. Mais effectivement, on a joué ensemble, tout ma à fait. La Ferrari. Je confirme. Ferrari. Absolument. Un épisode de Ferrari. Je vais continuer avec toi, Dorian. Donc. Le film Parfait est programmé, le tournage est prévu pour bientôt. Début septembre, voilà. Ouais. Et Premier week-end de septembre. D'accord. Je ne savais pas. Et ben voilà, donc l'info est officielle, le tournage est donc prévu pour le premier week-end de septembre. Merci Olivier. Et le week-end d'avant, on fait la compétition. Donc, on peut retrouver Parfait sur... Sur Ulule, sur Facebook. Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de dire... Envoie-nous un message. De dire à ceux qui nous regardent comment est-ce qu'on peut suivre ce projet qui justement... Il suffit de s'inscrire sur Facebook, aller sur la page Parfaite, liker, exactement. Ah bon, d'accord. Liker la page et ainsi recevoir toutes les notifications, toutes les infos du film et tout. Comme ça, c'est une différence de génération, c'est normal. Merci d'avoir regardé cette émission. À bientôt pour une prochaine avec des nouveaux invités et sur un nouveau film. Et n'oubliez pas de suivre le court-métrage Parfait à venir. À bientôt. Merci, ciao. Mais la voiture aussi. Ah oui, la voiture. La voiture. Aussi. Faut pas l'oublier, la voiture. Mais bon, ensemble, c'est vrai que ce qu'on a à faire, c'est ça. Ah oui, c'est... On va bien se marrer. Ça donne envie, ce que vous dites. On a vraiment hâte de voir le film. Non, c'est vrai. Et puis, il y a un invité surprise, mais bon... On n'a pas parlé encore. D'ailleurs, qui ressemble à un des réalisateurs aussi. Pas Eric Paul, l'autre. À l'autre, voilà. Bastien.